Alors j'ai créé Ami il y a 10 ans, j'avais 30 ans et j'avais vraiment envie de créer des vêtements que je puisse porter en fait de manière assez simple. J'avais envie de remettre au centre de mon histoire finalement l'idée d'un vestiaire, un vestiaire idéal. Donc c'est un pantalon, c'est un manteau, c'est un pull, c'est un t-shirt et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est vrai que je dessine toujours cette collection avec la même volonté d'habiller les gens. C'est vrai qu'Ami est né à Paris, ma vie est ici et c'est vrai que j'ai toujours essayé de faire en sorte que voilà, que cette marque soit très ancrée à Paris. Et voilà, c'est ce qui est inspirant aussi pour le reste du monde. Je sais que voilà, en Asie, en Chine, évidemment, c'est aussi une image qui plaît et qui est un peu carte postale parfois. J'aime bien jouer avec les éléments, avec les codes. Et j'essaie de donner dans ma mode aussi quelque chose comme ça de très parisien à l'international. En tout cas, tout vient du cœur ici. On travaille vraiment avec le cœur. Et je pense que c'est le meilleur moyen de séduire et de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas en fait. Donc l'idée que Ami soit accessible dans le monde entier et en Chine particulièrement, c'est parce que aussi on a un lien direct à travers les réseaux sociaux aussi qui est sincère et authentique. L'amitié c'est quelque chose qui peut durer toute une vie et il y a cette idée aussi dans le vêtement qu'on aime, le vêtement qui nous va bien, le vêtement qui est de bonne qualité, c'est aussi l'idée qu'il puisse nous suivre pendant toute une vie. J'ai eu assez vite un coup de foudre, cette marque m'a beaucoup parlé et donc j'ai rencontré Alexandre de manière informelle, on a bu un café ensemble et tout de suite la connexion a pris. Aujourd'hui, on est environ, on va dire, une centaine de personnes au siège et après si tu rajoutes les boutiques et les filiales à l'étranger, on va être pas loin de 180-200 personnes à peu près. La Chine, on a démarré assez tôt mais de manière progressive. Parce que c'était pour nous un marché bien évidemment clé, porteur, mais un marché très complexe. Et aujourd'hui, c'est effectivement un des gros moteurs de croissance du développement d'Ami, que ce soit en retail, en wholesale ou online. Alors, je pense que Tmall a un rôle important dans la redéfinition même de l'offre du mode. Parce qu'en Chine, quand on a commencé, en fait, il y avait très peu de marques designers. Et je pense que Tmall l'a compris. Via Luxury Pavilion et à chercher à lui faire une place mais qui nécessitait un accompagnement. Et je pense que ça a vraiment été une des forces de Luxury Pavilion. Ce côté peut-être plus innovant, plus indépendant, plus créatif si j'ose dire. Et je pense que ça n'est que le début. Nous sommes aujourd'hui sur le set de notre prochaine collection qui est donc le printemps-été 2022. J'ai décidé d'appeler cette collection l'échappée belle. En français, quand on dit qu'on l'a échappé belle, ça veut dire qu'on a été très très proche d'un danger et que finalement on s'en sort. Et c'était un peu mon message par rapport à l'année qu'on vient de vivre tous ensemble avec le Covid. Et c'est vrai qu'on a eu une année où on s'est senti clairement en danger, on a eu peur clairement. Et du coup, là pour les 10 ans d'Ami, c'était aussi une façon de dire que voilà, on était encore là et qu'on avait encore plein de choses à dire, plein de choses à faire avec cette envie, cette passion toujours intacte de continuer à créer cette collection que j'adore. Donc je suis très heureux. On a vu les résultats assez pharaoniques qu'on a pu réaliser lors du dernier Double Eleven. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dessiné un produit fort exclusif qui ne sera en vente et qui ne sera disponible que pour les clients chinois lors de cet événement sur Tmall Luxury Pavilion. Alexandre, comme moi et comme je l'espère l'ensemble des équipes, beaucoup de fierté à écrire les pages de l'histoire Ami. Et cette histoire, on a du plaisir à l'écrire parce qu'on le fait avec des partenaires qui partagent cette excitation, cette motivation. La vie et la mode, en l'occurrence mon travail, c'est un voyage et on ne sait pas trop où on va. On peut souhaiter que le meilleur à Ami pour les 10 prochaines années.